Moi, c'est Sawadogo Moussa, artiste, sculpteur et peintre. Je suis burkinabé. Disons que moi, je suis venu dans l'art sans savoir d'abord ce que je faisais. Parce que j'ai commencé ça depuis étant tout petit. Je faisais ça seulement juste pour avoir mon pain parce que je n'avais rien à faire à ce moment. Je venais de quitter les bancs de l'école parce que mon papa n'avait pas de moyens. Voilà. Au début, j'ai commencé d'abord par le dessin que j'aimais beaucoup. D'ailleurs, je dessine bien quand même. Mais après, j'ai vu que non, il ne me suffit pas seulement de dessiner, mais je pouvais faire quelque chose d'autre. Alors là, je me suis lancé dans la récupération, construire des sculptures avec la ferraille et le bois. Actuellement, je touche presque pas mal de matières, beaucoup de matières. Voilà. C'est comme ça que je suis venu dans la sculpture. J'ai beaucoup d'espoir dans ce métier. Parce que déjà, j'ai compris qu'il ne suffit pas d'être millionnaire ou milliardaire pour dire que tu as réussi dans la vie. Moi, ce qui me plaît, je remercie beaucoup le bon Dieu du fait qu'il m'a donné un petit savoir. Et à travers ce savoir, j'arrive quand même à m'exprimer ma joie, mes mécontentements, les angoisses existentielles, les espoirs, les larmes, les chants qui coulent. Et la joie éphémère, voilà, j'arrive à m'exprimer à travers mon art. C'est tout ce qui me plaît dans ce que je fais. Moi, je m'inspire toujours de la nature et ses êtres. Ça représente une vase qui se repose. Et là, le message que je vais véhiculer par là, c'est de rendre hommage à la nature et plaider pour la protection des animaux et la sauvegarde de l'environnement. C'est ce que j'ai à passer derrière cette œuvre. J'ai plein de choses à dire à travers l'art. Il y a de l'injustice que nous subissons. Il y a plein de choses qui ne vont pas bien, dans nos sociétés. Le respect mutuel, l'amour du prochain, même l'amour envers la nature, c'est très important. Respecter les animaux et les protéger, et respecter nos patrimoines culturels, respecter la culture même en tant que telle. Tout ça, c'est des messages que j'ai à véhiculer derrière ce que j'ai fait. Et je pense que dans l'avenir, je pourrais être un artiste très, très engagé. Voilà.